sur cette équipe lyonnaise. Vignashvili à la réception de ce jeu au pied. Donc oui. Les Montpellierains vont le chercher, évidemment. C'est pour ça que les joueurs ont pu faire le tour de ce ballon qui était, semble-t-il, dans les pieds des Lyonnais. But de match côté Lyonnais avec ce renvoi de Sopo Agar. Oui, c'est surtout l'indiscipline, on a vu. À trois reprises, trois premières pénalités. On va revoir, bon plaquage. Et là, la bonne attitude des joueurs lyonnais. Ballon d'occupation. Ballon réceptionné par Vignashvili. Qui a réussi à résister au premier plaquage, qui est pris ensuite. Ballon toujours pour les Lyonnais. Sur Vignashvili. Il va relancer, le crochet extérieur. Il est passé. Il échappe au plaquage, il est repris par Nouverou. Il réussit à donner ce ballon à Tuisova, qui se débarrasse de son adversaire. Il trouve du soutien encore avec Ivaldi. Ballon toujours pour les Lyonnais. Du soutien à l'intérieur, on va le voir. Le crochet extérieur, j'arrête mon défenseur à l'intérieur. Ça fait deux fois que j'arrive à passer le 1 contre 1. Derrière. Pas en périphérie, ça fait deux fois. C'est Tuisova qui vient et qui fait l'effort, lui, avec sa course pour retrouver son talent. Profiter de ça sur les mêlées à 5 mètres, mais ça va être un match serré jusqu'au bout. Merci, lui. Ballon pris par Mercer. Oui, on a réussi ce coup d'envoi à éviter Florian Verrag. Pollard, Garbizi, oui, qui a pu donner à Ratez, on va écarter. Boutier, qui va aller chercher son ailier Tisseron. On a bien glissé côté lyonnais, Tisseron qui n'a pas pu passer. Et le ballon toujours pour les Montpelliens. On va écarter sur Garbizi, le coup de pied à suivre. Attention, rebond. Ça va pas être simple pour Vignashvili, le crochet. Ah, il s'en sort bien. Hein. Il va falloir qu'il trouve une brèche, parce que sinon. Il a surtout retrouvé ses avances qui lui a permis d'avoir une réception. Arnold. Avec Vignashvili qui va taper à suivre pour lui-même sur rebond. Oui. Mais Boutier est vigilant. La belle va tenter 50-22. Et le réussit. Oh, oui, ouais, bien joué. C'est le risque de la part de tous les joueurs qui foncent. Joue rapidement. Camara qui n'a pas pu prendre ce ballon. Et Vignashvili qui a encore du gaz et qui repart depuis ses 22 mètres. Un peu moins de gaz, il a coupé ça. Là, il commence à être un peu adapté. Je déteste ces petits jeux par-dessus parce que quand vous le récupérez, vous mettez toute votre équipe en danger. Et la bonne lecture avec son pied droit de Boutier qui a vu que toute la ligne était montée côté lyonnais. Il a mis ce ballon fond et là, allez, j'ai pas envie de dans la précipitation. Parce que dans ce match qui manque un peu de rythme, je préfère soulever la prise d'initiative. De Lyon avec une chandelle dans les 22 mètres des Lyonnais, il y a beaucoup de monde dessous, mais c'est Vignashvili qui a été le plus prompt et le plus efficace pour prendre ce ballon. Oui, c'est étonnant de la part des. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure, Ratez qui s'occupe pas du ballon, qui s'occupe uniquement de son adversaire. Allez. Et M. Poit qui a encore passé tout de même. Et c'est 9. Le jeu plus rasant de Boutier. Il reste sur le terrain. Ouais, le ballon ne va pas sortir. Vignashvili qui va tenter de contre-attaquer. Il est repris par Nouverou, il lui échappe dans un deuxième temps. Il reste. De l'avancer avec un jeu à une passe, maintenant défier cette ligne de défense de Lyon. Les pénalités contre Montpellier. C'est Vignashvili qui est allé gratter ce ballon. Vignashvili, on le voit, il est